Salut à tous, c'est BigBenAndNF4. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur le multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood. Voilà, donc on va lancer la recherche de partie tout de suite parce que je sais pas s'il va y avoir grand monde. Et je pense même que s'il n'y a pas grand monde, enfin là dans les premières minutes je vais regarder mon équipement parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et après je vais faire une coupure jusqu'à un moment où je trouverai une partie pour pas trop que ça vous ennuie. Parce que sinon ça va être long. Enfin moi je pense que ça va être long. Et après on se fera une ou deux parties de Assassin's Creed en ligne. Alors Assassin's Creed Brotherhood, c'est le troisième épisode. C'est du Ubisoft. C'est sorti. Oui, je suis niveau 1, je pense que pas joué. C'est du. Ouais, on va mettre une partie rapide, hein, jouer maintenant. Ah merde, c'est balancé directement à la charge sur. Je vais faire une vidéo de présentation. Ah non, je suis niveau 10, pardon. Donc j'ai plutôt bien joué. Moi j'ai plutôt bien joué, c'est plutôt pas mal je trouve. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est super blanc, c'est inscrit dans les menus, donc avec mon appareil photo ça doit pas être top. Ah bah j'ai déjà trouvé une partie, après il manque juste des jalons d'Abstergo, c'est-à-dire des adversaires. En tout cas je sais pas quel mode de jeu on va faire, on verra bien. C'était juste pour faire une petite vidéo là sur Assassin's Creed. C'est Assassin's Creed Brotherhood, qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas fait le. J'ai fait une toute petite partie de l'aventure encore. Mais franchement, j'ai pas joué au solo plus que ça. Au multi, je me suis mis un peu dessus. Parce que c'était lors de la bêta du dernier, c'est-à-dire Assassin's Creed Révélation. J'avais beaucoup aimé. Donc j'avais acheté Brotherhood. Pour le multijoueur surtout. L'aventure des Assassin's Creed est toujours bien à faire, mais j'ai acheté sur. Franchement, je l'ai acheté vraiment pour le multi. Le multi m'a pas mal intrigué, et c'est vrai que le multi est, enfin moi je le trouve super bien. C'est vrai qu'ils ont trouvé une façon de rendre le multi comment dire réaliste quoi, enfin réaliste. C'est vrai que c'est, il y a énormément de jeux où le multi n'est, enfin quand j'ai fait Assassin's Creed 1 je voyais pas trop, et le 2 pardon, je voyais pas trop comment ils auraient pu mettre un multi. Donc quand ils l'ont annoncé, c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais c'est vrai que maintenant qu'il est face à nous, on se rend compte que le multi est vraiment, vraiment excellent. Super bien fourni, on peut s'équiper, on peut faire ses propres combos, c'est-à-dire utiliser ses propres équipements, pas forcément. Enfin on peut l'utiliser quand on souhaite, et ça c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé une personne qui vient de partir. Voilà, donc je pense que je vais faire une petite coupure et qu'on se retrouvera dès que j'aurai trouvé la partie. Voilà, donc ellipse et à tout de suite. On sera en train de rentrer dans la partie. Enfin, j'ai trouvé une partie parce que c'était super long, franchement. Là, c'était hallucinant. Je trouve ça hyper long. J'ai dû attendre une bonne vingtaine de minutes pour trouver un salon, et je me fais déjà buter. Alors bon, là je sais pas en quoi je suis, je sais pas du tout en quoi je suis, je sais pas du tout, on se fera, je prends ça puis ça va aller. Ce son n'est pas besoin de beaucoup, c'était juste pour se détendre un peu, alors que je suis un peu plus discret je pense. Non, déjà là il y en a un. Ah non, quoi que j'en sais rien. Ouais, vas-y, regarde en haut, Benoît. Bon, je dois être dernier. D'habitude, je suis moins ridicule que ça, mais à certains films. Par que je retrouve un peu mes marques. Hop là. Déjà là, on verra mieux. Ah, où est-ce qu'il est? Merde, c'est lui. Merde, il est où? Ah putain, c'est un de ces trois là. Ah punaise.
pas. Ouais, je l'ai loupé celui-là, mais c'était plutôt pas mal. Vous voyez, c'est un peu. C'est assez dynamique. Donc c'est assez bien fait quand même. Faut trouver ça. Oh punaise, elle l'a buté devant moi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va s'en sortir. Je vais réussir à tuer quelqu'un. Merde, c'était elle. Allez, yes! Moi j'ai pas été discret. Plus vous êtes discret, plus ça vous rapporte de points. Donc là, faut que je m'en aille. Oh, il a tapé. Et puis vous pouvez humilier vos adversaires en utilisant les bombes. Enfin, j'ai des bombes. J'ai des bombes pour me camoufler. Enfin, donc en bas, vous avez une boussole. D'accord, la cible a été tuée. Elle est tout en haut. Comment est-ce que je vais l'atteindre? J'en ai aucune idée. Monter par là. Yes. Moi bon, j'ai 200 points, je suis toujours dernier, mais ça se passe un peu mieux qu'au début. Il reste à peu près un peu plus de la moitié du temps. Il est là-bas. Hop! Et je l'ai eu. Hop, 100 points supplémentaires parce que j'ai fait une série d'assassinats. Ah, il m'a eu. Je pensais que c'était l'autre qui arrivait en face qui allait m'avoir. Oh putain, 850 points pour m'avoir eu. Les mecs sont assez forts quand même. Bah, on a la moitié du temps. Ça s'est passé plutôt bien. Enfin, plutôt bien, pas du tout, mais. Comment dire, il pourrait y avoir pire. Ah, il va falloir que j'essaie d'être un peu discret. Ah, il est là, il est là, je l'ai vu. Il utilise les trucs. Il va finir par se faire buter avant que je puisse l'avoir. T'inquiétez pas, je vais l'avoir. Non, il est toujours en haut. Oh punaise, sans déconner, il était juste là. Hop là! Oui, j'ai le flingue. J'ai pris le flingue pour tuer les mecs et c'est vrai que c'est. Ah, ça m'a assez servi quand même. Hop, par contre, je peux plus l'utiliser pendant. Et dans le même temps. Oh merde! Ah non, pour chasser l'autre cible. Elle est là-bas. Oh oui, magnifique. Bon, je suis plus dernier. Donc je fais gaffe, il y a un mec qui me poursuit. J'ai pas de nouvelle cible.
Ouais, il y a pas mal de gadgets d'assassins, tout ça c'est plutôt bien fait. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Pas. Ouais, il est juste en bas. Putain, j'étais quatrième il y a 10 secondes. Hop. Ça va aller vite là. Merde, non, il est descendu. Allez, il est juste là. Yes. Je suis quatrième. Je suis quatrième, mais j'ai récupéré mon flingue pour un dernier petit assassinat. Je me suis pas fait tuer depuis longtemps, ça c'est plutôt vrai. C'était pas mal. Après, il faut juste que je retrouve l'autre avant de me faire tuer. Merde. Ah, machin a tué machin, j'ai pas tout compris. Putain, ils sont là-haut. Hop. Oh non, elle m'a eu, bien joué. Ça s'est déroulé plutôt pas mal jusque maintenant, on va essayer de faire mieux. Hein. Ouais, il me faudrait 200 points pour récupérer. Mais 200 points c'est facile à faire, mais c'est parce que je joue pas super bien. Je fais pas de trucs furtifs, j'ai rien à regarder avec moi une minute. Ah merde, c'était l'autre. Oh, j'ai été blessé. Ah, je connaissais pas ça, les coups de pincée. Bon, bah, à la fin, on aurait été chaotique quand même. Je me suis trouvé templier. Mais je me dis, c'est pour ça que je vais pas tuer tout de suite. J'avais un petit doute à la fin. Je me suis dit, ça serait con. Bon, de toute façon, là, je réapparais pour 7 secondes. Ça sert à rien. En 7 secondes, je peux pas trouver ma cible. Oh, j'ai failli me faire buter à la fin. C'était chaud, hein, c'était chaud. Ouais, bah j'ai terminé dernier. Je suis toujours niveau 10, et puis c'est tout. Rejouer. Ah, il y en a 3 qui ont rejoué, donc on va refaire une petite partie. Juste pour moi le temps de changer la carte. Excusez-moi. Merde. Je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite. On est de retour. On est à Sienne cette fois-ci pour une deuxième partie. Ça a été assez vite. J'ai eu du mal à trouver une partie au début. Mais là au moins, on reste dans celle-là. Et on va refaire une autre partie. Puis après on se quittera. De toute façon, on va pas durer 3 heures. J'en ferai sûrement des vidéos. Le problème de ce jeu, c'est juste de trouver... Hop là, et bim! Qui c'est qui est premier? Ah d'accord, quand on est incognito, ça fait direct 400 points, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà, faut essayer d'être discret. Bon, si c'est lui, il doit prendre cher. Parce que lui, c'en est un. Oh, j'ai deux poursuivants. Allez, je suis premier. Ah merde, j'ai pas pu... Putain, j'ai pas utilisé ma fumigène. Quand son pointeur rouge est activé, c'est-à-dire que moi, je l'ai grillé. J'avais pas du tout grillé, mais enfin, le personnage que l'on joue l'a grillé et on peut essayer d'utiliser des stratagèmes ou de le semer pour gagner des points. Sauf que là j'ai pas été assez rapide. Putain ouais mais ça sans déconner. Oh j'en ai 3 à mes trousses. Ouh ça va être rapide. Ah c'est génial. Oh faire attention parce qu'il y a... Ah c'est lui. Et bim, incognito une nouvelle fois. Ah, par contre, j'ai pas eu le temps de le
de l'humilier. Je me suis fait tuer, mais comme je l'avais vu, c'est un mal pour un mal. Et il y en a un autre qui arrivait. C'est plutôt pas mal. Cette partie commence extrêmement bien, je suis assez content. J'ai plus qu'un seul poursuivant. Et moi je suis déjà à 800 points, c'est plutôt pas mal. J'ai toujours mon flingue que j'ai pas utilisé pour l'instant. Et le flingue c'est vraiment un atout dans le jeu. Par contre sur la grande place ça va être un peu chaud pour trouver quelqu'un. Ah, j'ai un nouveau poursuivant. J'ai deux poursuivants maintenant. Hop, le truc rouge derrière c'est un mec qui me poursuit. Et je me suis évadé. Ouh, parce qu'il a dû se faire buter donc j'ai eu 100 points. Donc je suis nul à 900 points. Et 900 points c'est plutôt pas mal. Courir un peu parce qu'on est sur le côté. Hop, allez. J'ai toujours deux poursuivants parce que je suis toujours premier. Bon, ici, il doit pas être loin et il n'y a pas de hauteur. Donc. Il est juste derrière cette barricade. Ouais, non, il marche devant. Il est là-bas, je l'ai vu. Et bim! Incognito une nouvelle fois, et par contre on va se barrer discrètement. J'ai pas le camouflage parce que je suis au bout d'un moment. Hop là. Hop, il m'a vu. Oh, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Hop, 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 faut que je m'échappe, faut que je m'échappe. Hop, et là faut que je me foute dans le foin, vite, 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 vite. Ouh, évasion! Je me suis évadé. Ça veut dire qu'en fait, mes poursuivants n'ont pas réussi à me trouver. Et ça, c'est plutôt top. Ah merde, je suis passé deuxième. Oh là 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 là, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Hop, je l'ai eu quand même. Donc 100 points. Voleur, parce que j'ai volé le kill à quelqu'un, je suppose. À mon avis, c'est ça. Il me manque 150 points pour être premier. Mais là, putain, je suis bien parti. 1700 points. Peut-être passer niveau 11 dans cette vidéo. Ah, ça m'a donné envie d'y rejouer. J'ai juste fait cette vidéo parce que je cherchais une vidéo. C'est lui. C'est celui qui est tout là-bas. Enculé, c'est vrai. Hop là! Que je me barre mon coin, parce que... Ouais, d'accord. J'ai deux poursuivants à mes trousses. J'ai pas de nouvelle cible encore. Là, lui, c'est direct un mec qui est grillé. Hop, on va faire. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, c'est rond pour humilier. Ah, j'aurais peut-être pu l'humilier. Merde. Ah, en plus, j'ai mes fumigènes. Fumigènes, ça sert à éblouir les gens autour de nous. Et là, comme il m'avait blessé avec des couteaux, c'est Roi E14, Game 14 que je dois shooter. Pas que je dois rattraper. On va essayer, hein. De toute façon, on ne perd rien. Cette partie se déroule, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, plutôt pas mal. Hop, et encore! Et ben voilà, j'avais dit que j'atteindrais le niveau 11, que je pensais atteindre le niveau 11, c'est fait. J'ai un poursuivant, je sais pas du tout où il est. Ça me dit quoi. Ah non, non, j'ai mis la fumigène. J'ai dû la mettre après, ou je sais pas trop. C'est dommage parce que je l'avais vu en plus. Ah, il avance super bien, Roy 14, Game 14, il est déjà à 3000. Et ça va être chaud à rattraper 3000. Comme c'est pas le score le plus facile à rattraper. Là, il est up, et il est là-haut. C'était elle, je crois. C'était elle, c'est elle.
Hop là, une balle en pleine tête, et là on court. Parce que j'étais en plein milieu de la place, et ça c'est plutôt pas forcément ce qu'il aurait fallu faire de mieux. J'avais pas envie de la louper, mais là je suis toujours deuxième, c'est plutôt pas mal, j'ai réussi à finir deuxième. Il est où lui? Celui qui est assis sur le banc. Non, putain, celui qui était là-bas. Je l'ai vu. Yes, je me suis pas planté. J'ai pas de poursuivant, ça c'est plutôt pas mal. Je risque pas de me faire buter. Hop. Toujours pas de poursuivant, je peux courir quand même, malade. Putain, mais descends, merde. Un petit problème de manette. On reste 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Il est là. C'est lui. Yes. Ouh, 500 points. C'est plutôt pas mal. Et il reste 2 minutes. 2 minutes. Allez, allez, dépêche-toi. J'essaie d'échapper un peu à tout ce qui pourrait me poursuivre. Hop là. Allez, c'est bon. Hop, il m'a vu. J'ai loupé complètement ma fumigène. J'ai 50 points de plus. Oh, une petite minute 30. Et c'est bon. Ah, contrat perdu. Ça se passe, du moment qu'on ne me bute pas, il est là-bas. Oh, j'ai pas accès, putain, je pensais que j'avais accès à la fumigène, donc je voulais lui mettre une fumigène dans la gueule, mais c'est loupé. Donc ça, c'est plutôt dommage. Plutôt mal joué, et de toute façon, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas gagner, je pense. Enfin, si, quoique si je remets à 500 points comme tout à l'heure, mais il faudrait une série de 3. Ouais. Une série de 3 échecs en plus. Pas que je crève. Crever, c'est donner des points à l'adversaire. Il est là. Il est là, il est là. Boum! Yes! Discret, mais pas incognito. Bon, dommage. Ça, c'est un de mes poursuivants, mais il m'a pas vu. Alors, c'est tant mieux. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes sans crever, 10 secondes sans crever. 10 secondes. Allez, 10 petites secondes, il peut pas me rattraper. 2, 1. Et c'est bon! J'ai quand même mis 4100 points. Donc le niveau 10, je l'ai torché. Des nouvelles capacités. Mais pour nous, ça s'arrêtera là. Je ferai sûrement une autre petite vidéo de ça plus tard. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt sympa à faire. Après, faut juste trouver la partie et ça, c'est chiant. Je vais quitter le lobby même. La recharge de partie, c'est un peu long. Mais une fois qu'on est dans une partie, ça va beaucoup plus vite. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une vidéo. Salut à tous!